Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. La baisse de la pauvreté a été très inégale d'une région à l'autre. En 2015, plus de la moitié des pauvres de la planète vivaient en Afrique subsaharienne et c'est dans cette région et en Asie du Sud que se concentraient 85% des personnes pauvres. Les 15% restants, soit environ 106 millions de personnes, vivaient dans les 4 autres régions du monde. Dans toutes les régions à l'exception de l'Afrique subsaharienne, les taux moyens de pauvreté varient de 1,5 à 12,4%, environ 41% de la population d'Afrique subsaharienne vit en dessous du seuil international de pauvreté, premier, Soudan du Sud. 236 $ de PIB par habitant. Le Soudan du Sud conserve la première place du classement des pays les plus pauvres de l'Afrique et de la planète, avec un PIB par tête de 236 $, moins 22,2% par rapport à 2018. Le pays d'Afrique orientale affiche un produit intérieur brut de 3,15 milliards de dollars pour une population de 13,38 millions d'habitants. PIB par habitant en 2019. 223 $ PIB 2019. 3,15 milliards de dollars population 2019. 13,38 millions d'habitants. Deuxième, Burundi, 310 $ de PIB par habitant. Pays le plus pauvre du monde en 2015, le Burundi monte aujourd'hui sur la deuxième marche de ce triste podium, avec un produit intérieur brut par habitant de 310 $. Le pays d'Afrique de l'Est a désormais un PIB de 3,57 milliards de dollars pour une population de plus de 11 millions d'habitants. PIB par habitant en 2019. 310 $ PIB 2019. 3,57 milliards de dollars population 2019. 11,53 millions d'habitants. Troisième, Malawi, 367 $ de PIB par habitant. Le Malawi vient clore de tête des pays les plus pauvres du monde et d'Afrique, avec 367 $ de PIB par habitant en 2019. Le pays africain affiche cette année un PIB de 7,44 milliards de dollars pour une population de 20,29 millions d'habitants. D'après la Banque mondiale, 51,5% de la population malawite vivait sous le seuil de pauvreté en 2016. PIB par habitant en 2019. 367 $ PIB 2019. 7,44 milliards de dollars population 2019. 20,29 millions d'habitants. Quatrième, République centrafricaine, 441 $ de PIB par habitant. La République centrafricaine arrive cette année en quatrième position du classement des pays produisant le moins de richesses par habitant au monde. Le pays d'Afrique centrale enregistre en 2019 un PIB de 2,29 milliards de dollars pour une population de plus de 5 millions d'habitants, soit 441 $ par tête. En 2008, 62% de la population centrafricaine vivait en dessous du seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. PIB par habitant en 2019. 441 $ PIB 2019. 2,29 milliards de dollars population 2019. 5,18 millions d'habitants. Cinquième, Madagascar, 471 $ de PIB par habitant en 2019. Madagascar occupe le cinquième rang du classement des pays qui produisent le moins de richesses par habitant, avec un PIB par habitant de 471 $. Le pays affiche cette année un produit intérieur brut de 12,73 milliards de dollars pour une population de 27,06 millions d'habitants. D'après la Banque mondiale, 70,7% des Malgaches vivaient sous le seuil de pauvreté en 2012. PIB par habitant en 2019. 471 $ PIB 2019. 12,73 milliards de dollars population 2019. 27,05 millions d'habitants. Sixième, Niger, 488 $ de PIB par habitant. Le Niger se classe sixième au palmarès des pays qui produisent le moins de richesses en 2019, avec un produit intérieur brut par habitant de 488 $, en hausse de plus de 2,2% par rapport à 2018. Le pays d'Afrique du Nord a cette année un PIB de 9,72 milliards de dollars pour 19,94 millions d'habitants. En 2014, 44,5% des Nigériens vivaient sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale. PIB par habitant en 2019. 488 $ PIB 2019. 9,72 milliards de dollars population 2019.
19,94 millions d'habitants. 7e, Mozambique, 493 $ de PIB par habitant avec un PIB de 493 $ par tête en 2019, le Mozambique se classe 7e au palmarès des nations qui produisent le moins de richesses par habitant. Le pays d'Afrique orientale enregistre cette année un PIB de 15,37 milliards de dollars pour 31,16 millions d'habitants. D'après la Banque mondiale, 46,1% des Mozambicains vivaient en dessous du seuil de pauvreté en 2014 PIB par habitant en 2019. 493 $ PIB 2019. 15,37 milliards de dollars population 2019. 31,16 millions d'habitants. 8e, République démocratique du Congo, 495 $ de PIB par habitant en 2019, le produit intérieur brut par Congolais s'élève à 495 $. Un chiffre en progression de 10,3% par rapport à 2018 et qui lui vaut la 8e place au classement des pays les plus pauvres de la planète. Il affiche désormais un PIB de 48,46 milliards de dollars pour 97,88 millions d'habitants. D'après la Banque mondiale, la proportion de la population congolaise vivant en dessous du seuil de pauvreté atteignait 46,5% en 2011 PIB par habitant en 2019. 495 $ PIB 2019. 48,46 milliards de dollars population 2019. 97,88 millions d'habitants. 9e, Sierra Leone, 517 $ de PIB par habitant. La Sierra Leone arrive 9e au classement 2019 des pays les plus pauvres par habitant, avec un produit intérieur brut par tête de 517 $. Ce pays de l'Ouest africain affiche un PIB de 4 milliards de dollars pour 7,74 millions d'habitants. 52,9% de ses habitants vivaient en dessous du seuil de pauvreté en 2011, chiffre la Banque mondiale PIB par habitant en 2019. 517 $ PIB 2019. 4 milliards de dollars population 2019. 7,74 millions d'habitants. 10e, Togo, 682 $ de PIB par habitant. Le produit intérieur brut par Togolais s'élève à 682 $ en 2019. Un chiffre qui vaut à ce pays situé à l'ouest du continent africain la 11e place du palmarès des pays les plus pauvres du monde. Le Togo présente un PIB de 5,59 milliards de dollars pour 8,2 millions d'habitants. En 2015, 55,1% de ses habitants vivaient en dessous du seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale PIB par habitant en 2019. 682 $ PIB 2019. 5,59 milliards de dollars population 2019. 8,20 millions d'habitants. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, commenter et partager avec tes amis. À bientôt.